ça, c'est des facteurs qui sont super importants, qui vont déterminer si une entreprise va avoir du succès ou non dans le domaine où elle produit. Est-ce que tu as quoi à la toilette? Ah, il est poli. Quels facteurs vont favoriser ou défavoriser le succès dans une entreprise agricole? Si on parle là-dessus, donc on a la qualité, le temps, le lieu, le prix, la quantité, puis ça vient d'une compagnie à l'autre. Donc, qu'est-ce que ça donne si on met les facteurs, puis parfois, c'est les mêmes facteurs, je vais vous donner les déterminants de ces facteurs. Donc, si on a la qualité, que je vais abréger par QU, le temps qu'on va mettre, c'est E, le lieu, LI, le prix, P, A, et Q, U, A, qu'est-ce que ça fait ça bien? Donc là, qu'est-ce qu'on peut penser, oui? Ben, pour le si, mettons, ton champ, il va s'amener, il commence bien là-bas, ça fait que... Donc, l'accessibilité, c'est important. Puis ça va affecter sa fraîcheur. Et Saguenay, il y a beaucoup de consanguinité aussi. Ah, aussi. Aussi, le champ, dépendamment de la qualité de l'eau, Donc, dans le lieu, il y a aussi tout le versant écologique, la situation écologique. On va juste mettre l'école avec un point, c'est qu'on parle d'écologie, non pas de l'école. Parce que les vaches ne vont pas. Ouais. Est-ce que des vaches à l'école parce que je suis pas vraiment trop en parler. Si on parle de qualité, qu'est-ce qui est important dans un bœuf de qualité ou dans n'importe quel autre animal, que ce soit du cheval, du humanoïde, peu importe. Ce qui est important, c'est C'est bon, parce que d'ailleurs, il faudrait discuter ses invités s'ils prennent le bœuf. On cherche une forme de pureté. D'ailleurs, il y a des sommeliers du bœuf. Et ça, c'est un montage vraiment intéressant. Oui, on a apprécié la fragrance, l'arôme et la couleur de la robe du bœuf. C'est spécial, c'est très niche comme marché, mais ça existe. C'est vraiment bien. C'est un peu plus fort, mais on a du bœuf et la couleur. Maintenant, le temps. Tout à l'heure, on a parlé du Saguenay, qui avait mis au Saguenay. J'imagine que c'est un peu la même situation pour nous, Saguenay. Ou le nord du Québec. Donc, on peut dire, encore une fois, l'accessibilité, ça peut jouer sur le lieu, parce que si notre bœuf, elle nous arrive, et déjà pour cette date, il faut le mettre à jour, c'est chiant. Moi, j'aime ça pour juste brancher mon bœuf. Parce que, flasher un bœuf, c'est chiant. Si tu ne fais pas d'écoutant des milieux, ton bœuf ne fait plus rien. C'est super problème. Donc, le prix, on aime ça quand notre bœuf est de bonne qualité, qui nous coûte pas cher. Donc, le prix, on veut que le prix soit compétitif. Et c'est quoi la compétition en agriculture? Et si quelqu'un me dit que c'est une course à obstacles, ça ne marche pas. Donc, c'est pas ça a l'air de tout, le domaine compétitif en agriculture. La société entre au Japon. Donc la compagnie Suntory au Japon, c'est un super grand producteur de bœuf. Et là, ça crée le problème. Le Japon est très friand de nos viandes, de beaucoup de porc, par exemple. Mais on parlait du bœuf, mais ils sont friands de porc. Donc là, si on vient pour exporter le bœuf, qu'est-ce qui va faire en sorte que Monsieur Yakita Yamamoto, qui habite à Tokyo, qu'est-ce qui va faire en sorte que lui va vouloir acheter du bœuf canadien plutôt que d'acheter du bœuf japonais? Et de la même façon, nous, pour nous, c'est assez facile parce qu'on a des plantations de bœuf un peu partout. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a besoin d'aller acheter un bœuf de qualité? Est-ce qu'on sait qu'il y a des produits au Québec?
je ne sais pas trop où mettre. Donc là-dedans, vous autres, vous allez devenir des pharmaciens, mais il faut que ça ne mette pas votre place. Je sais qu'on parle d'agriculture, mais encore une fois, ça se transfère complètement. Là. Donc là, en tant que sur-métier, programmeur, designer, là, où est-ce que vous situez, comment est-ce que vous sentez bien? Faut que tu programmes ta ferme. Comment est-ce que vous sentez que vous pouvez faire une différence dans ces domaines-là? On est chez vous là. Comment est-ce qu'on sent qu'on peut faire une différence dans ces domaines-là? Personne? L'adaptabilité. Et ça, c'est super important et ça revient. On n'arrête pas de faire des liens. On fait des liens depuis tantôt, on fait des liens, on ne se rend pas compte, mais on fait des liens tout le monde ensemble. On a choisi une couleur. Qu'est-ce que la couleur dit à propos de nous? Alors là, on a notre ami qui a choisi du monde. Tu peux utiliser un espèce d'orange, tu peux choisir du gris. Toi, c'est un espèce de rose beige. Tu peux choisir un kit de choix. Ah! On a... Oh! Ça ne monte pas. En anglais, c'est bear hug. Gabriel, ça, quoi ça? C'est bleu cadet. Bleu cadet. Le gros, c'est noir. Un blanc, il devrait faire un chiot à la fin. Et là, quand il est bas. En fait, c'est la parce que je pense que c'était pas vendeur s'il y avait ça d'excuses. Ça, c'est 5 mois après avoir mangé au restaurant la semaine dernière. D'ailleurs, quand j'ai trouvé en Afrique, un moment donné, j'avais mangé plusieurs fois, même j'avais soin. J'étais pas mal paumé, puis j'avais souvent mangé de la bouffe dans un petit... même pas un resto, c'est juste comme une sorte de pièce de pont et d'eau. C'est... eux, ils appellent ça le pain brochet. C'est français, j'ai un peu mis par ça. Et là, j'allais manger, c'est une vraie histoire. Tout le monde me regarde comme si je faisais des prix, mais j'allais manger le pain brochet. Puis, parce que ça coûtait pas cher, c'était juste en face du maquis où j'allais comme tout le temps me taper la fraise après avoir travaillé. Puis, un soir, le gars du pain brochet, il était un peu étrange. Mais je peux comprendre pourquoi il était un peu étrange, parce que quelques heures après, dans mon appartement, j'ai pas mal décoré tous les murs de faire-moi fort. Pourquoi je raconte ça? Ah, je suis en train de... Ça s'en vient, le niveau café, peut-être comme à 80%, mais pas tout à fait. Adaptabilité, les couleurs, c'est ça, votre personnalité là-dedans. Ah, c'est rapport à la personnalité, donc je vais la clé en tête. Si... je donne un coup. Est-ce qu'on va avoir envie de venir me voir pour des services informatiques? Je m'enregistrais des gens comme Jean-Marc. Je suis capable de venir me voir, mais là, comment on fait pour s'adapter à la milieu tout en restant fidèle à soi-même? Parce que c'est important, le monde, tout le temps, il faut s'adapter. Vous pouvez faire ça parce que ça m'énerve d'avoir un cœur dans le dos, c'est pas naturel. Comment est-ce qu'on fait pour rester comme ça? J'ai sûrement remarqué que c'est pas vraiment un coup. Les détails de mon derrière depuis tantôt, qui m'ont demandé d'essayer de faire semblant, de donner un coup. Non, mais c'est vraiment avec les paris.